Bonjour à tous et à tous, chers abonnés. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vidéo de comment d'un descriptif de Pokémon Noir 2 et quelques petites explications avec. C'est parti. Allons sur Google Chrome. Alors, là on tape Pokémon Noir 2 Poképedia. Et là, on va là-dessus. Bon, bah voilà, les amis. Pokémon Noir 2 et la suite de Pokémon Noir et Blanc. C'est des jeux de la cinquième génération de type RPG. Ça a été fait pour la 2DS, mais c'est aussi jouable sur la 3DS et la 2DS. C'est de la compatibilité, c'est de la rétrocompatibilité, les amis, c'est ce que c'est. Ce jeu est sorti en octobre 2012 en Europe. Ici, là, nous pouvons voir les différents logos. Ce jeu a servi de film pour. A servi de jeu, ces jeux ont servi de promotion pour le 15e film Pokémon, le film Kyurem et les Lames de la Justice. Pokémon Company a lancé le mini-site japonais. Pour ces deux nouveaux jeux qui sont sortis en juin 2012. Voici les logos ici les amis où il y avait la souris. Noir et blanc 2. Version française et japonaise. Le Pokédex, le Pokédex national de ce jeu comprend, si je m'abuse, 600. 55 Pokémon, me semble-t-il. Et dans les premières versions, on ne pouvait pas trouver Psycho-Kwa, Criolou, Métalos, Holoclast, Tyranitar et Dimoré. Mais aussi également évolué Oathoat, Arcanin et Armure n'étaient pas trop dans ces jeux. Ces jeux ils comprennent de nouveaux champions d'arène sur le type poison, l'eau, le type eau et le type normal. Je pense que vous connaissez tous que ça, vous savez tous que ça commence à pavoner pour ceux qui y ont joué. On a notamment vu ça dans mon let's play. Je vais vous mettre un peu plus tard une playlist de ça. Les sprites ont une nouvelle animation en pixel 3D. C'est stylé, moi je trouve. Les graphismes sont améliorés pour les sols hors de l'interface de combat, mais aussi pour les eaux. On note des très bons graphismes pour ce jeu, moi j'aime bien personnellement. Là voilà la carte les amis. Zoom un peu. Regardez la carte, elle est magnifique. Moi je la trouve belle. Elle est meilleure que celle de Pokémon Noir. Non. Attends, je vais vous montrer ça. Carte Pokémon noir et blanc. Regardez. On vous remarque dans un nouvel onglet. On fait CTRL plus. Si on compare celle-là, les amis, avec. Si on compare celle-là avec celle-là, on peut remarquer qu'ici, là, il y a un petit morceau en plus. C'est la ville de Pavoné, les trois premières villes, et là, c'est la carte normale, avec quelques petits autres champions. Et même là, il y a quelque chose en plus. Regardez, les amis. Vous voyez? Ouais, moi, si je vois. On va retourner à notre sujet. Continuons les amis. Il est sorti en Japon le 23. Il est sorti japonaise le 23 juin 2012. En Amérique du Nord le 7 octobre 2012. En Australie le 11 octobre. En Europe le 12 octobre. Et en Corée du Sud le 8 novembre 2012. Pokémon Noir et Blanc, ce sont les suites de Pokémon Noir et Blanc. Pokémon Noir de Blanc 2 sont les suites de Pokémon Noir et Blanc qui se déroulent dans la région du Nice. Ah, 2 ans après, les événements du premier opus. Les deux premiers opus, quoi. Le joueur, il incarne un dresseur pavoné qui aide le professeur Quitelleria
dont la mission est de compléter le Pokédex. Son changement doit faire face à la renaissance du nouvel type plasma qui compte utiliser les pouvoirs d'un dragon légendaire pour asservir le monde. Bon bah, divers mécanismes de combat sont présents dans ce jeu, les amis. Voici les différents héros et leur sprite. Ça, c'est le sprite, ça, c'est l'artwork officiel. C'est le sprite de face quand on croise le personnage. C'est le sprite de dos, ça, c'est le sprite quand il est sur la map. Et pareil pour ça. Là, le rival, les amis. Pareil pour chaque. Là, les champions. Normal, poison. Normal, poison. Non, non, t'as arrêté au badge poison dans notre let's play. D'ailleurs, la suite devrait ne pas être pour bientôt, notamment après la Ligue des Champions. Le PSG, moi, j'adore ça. L'OM, c'est nul, ne suivez pas, à part si vous êtes Marseillais. Bref, continuons la vidéo. Voilà tous les badges qu'on devra faire, les amis, dans notre let's play. En espérant que celui-ci que vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de contenu de référencement. Bon, sur ce, continuons la vidéo avec Artie de type insecte, Ilza de type électrique, Pardin de type sol, Carolina de type vol, Watson de type dragon et Amana de type eau. Moi j'adore Amana. Amana, Ilza, Pardin et Carolina. Ils sont trop stylés. Après, il y a la ligue Pokémon, les amis. Constitué de Anis de type spectre, Pierre de type ténèbres, Perse de type psy, Kunz de type combat, ainsi Iris de type dragon. Il y a une nouvelle type plasma également. Voici tout leur artwork officiel. Bianca, c'était la rivale présente dans Pokémon noir et blanc. Ici, elle joue le rôle d'assistante du professeur qui était Lyria, la prof Pokémon. C'est elle qui remet son starter au joueur. Elle, c'est l'ex-boxe de type plasma, a décidé de cesser toute activité malfaisante suite aux événements de Pokémon de noir et blanc. Oui, avant, les amis de Pokémon noir et blanc, c'était le roi de type plasma. Il s'était fait manipuler par Geatis sous prétexte de libérer les Pokémon. Il y a beaucoup de lieux dans cette région, notamment Pavoine et genre, plein d'autres. Il y a notamment quelques petits bugs, un bug de collision là, dans la zone de l'arbre cyclopéenne, le fait qu'un arbre est traversable. Je me suis refait à l'aise sur un arbre à l'aise du Pokéwood. Sur route 19, après ayant utilisé ça, on peut trouver un escalier et de rentrer dans la montagne plus juste derrière. Voilà. Je vais vous montrer d'autres choses, les amis. Voici les différences entre les versions, notamment au niveau des Pokémon sauvages. Voici la liste des Pokémon trouvables entre différentes versions. Les dires serait trop long, je vais plutôt vous les montrer du coup. Regardez, c'est tout répertorié ici. Je pense que là, les amis, c'était des Pokémon qui ont été prévus mais qui ont été enlevés par Nintendo au dernier moment. Beaucoup de contraintes commerciales, je dois imaginer. Lors de cette version, c'est l'attaque éclair gelé et feu glacé, une nouvelle capacité signature et le cœur noir et cœur blanc qui apparaissent respectivement l'une à l'autre pour chaque Pokémon. Cœur noir et cœur blanc. Voici les logos DS, les amis. Les pochettes. Attendez, on va prendre un screen, les amis. Un screen de tout ça. Ça va servir pour cette vidéo là. Regardez. Ah, c'est bon. Là, voilà les amis. Le jeu il a été en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en japonais, mais aussi en polonais. Tiens, j'étais même pas au courant, ça m'a appris quelque chose. Ces jeux font toutes deux parties de la cinquième génération. Bon bah voilà les amis. Je vais maintenant vous montrer, vous faire quelques petites explications.
avec ça. La dernière fois, je m'étais fait strike par YouTube, si vous voyez ce que je veux dire. Un certain Mohamed Touré m'avait demandé de le faire, mais je pouvais pas. Ces jeux, les amis, sont trouvables sur Internet comment dire ça sans me faire strike par YouTube. Ces jeux sont trouvables sur Internet en les cherchant. Vous tapez le nom du jeu et vous le trouverez facilement sur Internet. Moi, je peux pas vous montrer comment faire. Je me suis déjà pris un strike par YouTube. Bon, bah voilà, les amis. Je peux pas vous montrer. J'ai pas encore envie de me prendre. J'ai pas envie de prendre un avertissement. Voilà, du coup. Et c'était tout. C'est tout. Bon bah maintenant je vais vous montrer mes starters que j'aime dans ce jeu. Starter. Pokémon Noir de feu. Image. Voilà les starters, moi j'aime bien ces trois, celle-là et celle, les petites plantes là, Vipélia, et Majaspic, ainsi Moustillon, Matloutre, Moustillon, Matloutre et Clamiral. Le type feu, je l'ai très peu joué. Il est pas très populaire parmi tous les joueurs. Bon bah, trop mignon dans les amis, j'aime bien moi. Ah, puis une dernière chose, le speed devrait bientôt reprendre. Bah voilà les amis. C'est tout pour cette vidéo. Si ça si vous a plu, si vous a plu, vous abonner, à la liker, à mettre un commentaire pour le référencement et à partager des big pouces bleus et à mettre et à partager la chaîne et les vidéos et cette vidéo. Sur ce, c'était Sofiane Amar, à plus et bye tout le monde. Ah voilà le PSG en Ligue des Champions. Sur ce, c'était Sofiane Amar, à plus et bye tout le monde. Bye bye.